C'est aujourd'hui.
remercie de m'avoir rejoint. Ce soir, nous allons mener une petite expérience. Bonsoir. Bonsoir, mes enfants. Non. Non, ça va pas. Bonsoir, mes amis. Putain de merde. Putain, Mike, heureusement que tu m'as trouvé. Tout va bien. Tout va bien. Ça va, toi ? Je comprends pas comment t'es arrivé. Comment tu m'as trouvé ? J'ai un putain de psychopathe ici, dans la montagne. Ouais, j'ai remarqué. Évitons ce grand réseau de tunnels. J'étais en bas à essayer de sortir, puis il y avait cette grille et je t'ai vu. Après réflexion, la serviette, c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathes. Mike, tu permets ? Oh, oui. Oui, pardon. Ok, ça c'est fait. Faut qu'on passe à autre chose. Entièrement d'accord. C'est... quelqu'un qui pleure. Non ! Non, non, non ! Dégage ! Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. C'est quoi, ça ? Tu as déjà entendu parler des balablans ? Non, sérieusement.
Oh, merde! Oh, bordel! Oh. Dans le vent. J'espère que ça vaut le coup, j'étais superbe dans ce haut. Voilà. Ça, c'est cool.
Allez, putain de merde! Bordel de merde!
Oui. Bien sorti. Bien. Alors, qu'est-ce que ça fait, hein?
qu'est-ce que ça fait? Ça vous a plu d'être terrorisé, humilié et même paniqué? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles! Non, 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 non! Parce qu'elles sont mortes! Je sais pas si t'as remarqué, Josh, mais ça fait rire personne, là. Allez, faites pas cette tête-là. C'est bon d'avoir le cœur qui s'emballe de temps en temps, non? Et ils sont bien emballés, tous vos petits cœurs. Boum, 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 boum. J'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle fantasmagorique. Avec chaque petit détail, pas d'opportunité ratée. C'était tellement un plaisir de pouvoir jouer marionnettiste de toute cette panique, pas besoin. Et tout ce sang? Le sang, c'était un festival au cadavre. En plus, ces conneries, c'est super cher. Ils sont ratés. Non, 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 non. Tout en une seule prise. Oh, vous auriez dû voir, peut-être. Je sais tes matchs. Vous avez totalement gobé. Josh, il y avait ta signature derrière tout ça. Bien sûr que c'était toi. Oh, vraiment? Vraiment, vraiment, vraiment? En fait, tu appelles au secours, Josh. Tu voulais te faire choper, pas vrai? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'appelle carrément au secours. À l'aide, au secours, à l'aide. Allez! Allez, c'était juste pour rire. Quoi? Vous avez un peu l'air con maintenant, c'est tout. Personne n'est blessé. Tu sais même pas ce que tu dis, enfoiré! Jessica est morte, putain! Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard! Hé! Hé, les gars! Sérieusement, c'est débile, vous savez. La ferme. Pourquoi tu l'as frappé? Hein? Pourquoi tu l'as frappé, putain? Oh. Mais enfin, de quoi tu t'as parles? Frappé Ashley, sale ordure. Oh. Oh, je suis devenu dingue. On frappe pas une fille. Ça se fait pas. Chris, sérieux, mon pote. Chris, je suis pas ton pote. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que vous m'emmenez? On t'enferme, pote. Quoi? Comme ça, tu feras pas d'autres conneries avant qu'on appelle les flics demain matin. Allez. Enfin quoi, j'ai rien fait du tout. Tu te fous de ma gueule? Un putain de meurtrier, voilà ce que t'es. J'ai vraiment rien fait. Mike, pitié, putain. Mike, s'il te plaît, écoute-moi, j'ai jamais touché à Jess. Franchement, tu ferais mieux de la fermer. Chris, hé. Hey. S'il te plaît, mon pote, on est partenaires. Arrête, arrête de dire ça. Joue au con! Tu veux voir les choses comme tu veux les voir. Tu es... Ferme-la, putain! Tu es grand! Mike. Putain, c'est pas de ma faute si vous avez aucun humour! Oh, pardon, je t'ai fait mal? Tu souffres? Tu souffres un petit peu? Dans ce cas, je suis tellement désolé! Arrête! Stop! Mike! Michael, je suis désolé, mec. Tu sais pas à quel point je suis désolé. Désolé pour tout ce qui est arrivé à Jessica. Mais je te jure que je sais absolument rien de tout ça. Mais ferme-la, Josh. Tu pourras pas t'en sortir comme ça, putain. Ok, on peut passer à autre chose. Putain! Ne plaisante pas! C'est pas juste! Non! Ça devait pas du tout se passer comme ça! Vous êtes une bande de sales brutes! Vous pouvez pas partir. Vous pouvez pas me laisser crever ici. Hein? C'est pas comme si vous aviez le cran de le faire pour de vrai, de toute façon. Oh oh. Stop! Faut vraiment, vraiment, vraiment que tu la fermes, mec. Ah. Oh, c'est un... Enfin, je veux dire, je sais même pas ce que tu peux dire, hein, parce que j'ai vraiment rien à regretter. Oh là là...
Ok, on me ligote là, ok? Bouge pas, mec. Ouais, ouais, très bien, mais... Tu peux pas les attacher si ils gigotent comme ça. Josh, sérieux? Moi, tu me laisses de quoi bouger un peu, quand même, hein? Mais quand est-ce que tu vas la fermer? Moi, chérie, ok? Moi, chérie, je peux... Je peux plus bouger. Délire en place. Putain, mais de quoi il parle, bordel? C'est dur à regarder. Quand tu fais une prise de... Il a déjà dit ce genre de conneries avant? Non, je l'ai jamais vu comme ça. Ils sont tous débiles. Ils sont tous débiles. Chris et Ash. Chris est un lâche. Ashley est une idiote. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que t'étais idiot. C'est quoi ton problème? Oh, Ashley. Oh. Ashley, je vais te tirer de là, je vais pas te laisser mourir. J'imaginais pas dans mes rêves les plus fous que tu m'aimais. Stop. Et tu connais ce bruit? Le bruit de jamais embrasser Ashley, connard! Stop! Ouais, tu sais, tu pourrais bien laisser Ashley avec Mike. Bah ouais, au moins lui, il en a sous la ceinture, tu sais. Elle devrait aimer ça! T'es vraiment pathétique, Christopher! Je vais lui arracher la tête! Non, l'écoute pas! Laisse tomber! Hé, hey, Mike! Mike! Quoi? Si on parlait de... Jess, Mike? Tu sais ce qui s'est passé? Non! Non! C'est seulement que j'ai un problème, Mike. Je me souviens pas avoir tué Jess. Putain. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... je le saurais si j'avais eu envie de la tuer. Elle est... si douce. Et j'imagine qu'elle doit être super bien foutue. Ferme ta putain de gueule! Vous êtes trop nuls! Quoi? Oh, allez! Tu veux vraiment me faire croire que tu vas me tuer? Moi? Pauvre petite chose ligotée sans défense. Tu devrais aller au chalet, pour t'assurer que tout va bien. Cette tarée et moi, on reste là jusqu'à demain matin. Oh, c'est la fête. Eh, on commande des pizzas? T'es sûr que ça va? Ouais, ils voudront savoir que tout va bien ici. Pas faux. À demain matin.